Roland, chaussettes hautes ou courtes? Courtes. Hi. Disc brakes or traditional? Traditional. Traditional. Guidoline, blanc ou noir? Blanc. Black. Nutrition, gel ou bar? Entrée de course et bar. Bars. What flavor? Chocolate. Qui est-ce qui ronfle? Who snores the loudest in the team? Ah, Simon. Je pense Pelon. Le départ donc de cette troisième étape du Tour de Romandie. On n'attend pas forcément une victoire d'un coureur de cette équipe Swiss Cycling. On attend surtout qu'ils se mettent en avant, qu'ils partent en échappée, ce qu'ils ont très bien fait depuis le début de ce tour. On peut difficilement faire mieux si on est organisateur et qu'on doit inviter une équipe. Une équipe comme ça, on dit oui, pas de souci, revenez l'année prochaine. Et c'est David Gaudu qui s'impose devant Rui Costa. Roland Talman, le plus combatif aujourd'hui, et la poignée de main de monsieur le président de Netplus.ch. Au niveau de la course, là, les Suisses sont assez actifs. C'est intéressant comme journée? Oui, c'est très intéressant. On voit qu'il y a un Suisse dans le peloton de tête. Donc il se démarque et c'est très bien pour nous. On cherchait, il y a quelques années, un événement qui puisse concrétiser cette territorialité sur la Suisse romande. Et donc forcément que le Tour de Romandie se présentait extrêmement bien par rapport à l'effort que l'on voulait pour soutenir nos marques, notamment Bliblablo, les produits résidentiels des téléréseaux de Netplus. Bliblablo, multimédia, multiplaisir. Super, et est-ce qu'on vous verra sur un vélo peut-être? Alors ça fait très longtemps qu'on m'a plus vu sur un vélo et je pense que c'est mieux pour les vélos qu'on ne voit pas trop dessus effectivement.